Bonjour, merci de suivre les programmes de Saint-Louis Télévision. Un débat télévisé nous semble être une des meilleures manières d'aller à la rencontre d'un peuple comme celui-là du Sénégal. C'est ce que Saint-Louis Télévision vous propose, un débat avec un interlocuteur considéré comme étant au-dessus de tout. Shalem Elekhoum, docteur Ali Bentoura. Shalom Ouvracha. Docteur Ali Bentoura est l'invité de cette émission intitulée « Questions de confiance ». D'où vient-il? Que pense-t-il? Et surtout, quel type de rapport entretient-il avec un peuple musulman et africain comme celui-là du Sénégal, lui qui représente ici l'État hébreu? Donc en voilà quelques-unes des questions de confiance qui sont les axes principaux de ce débat entre nous, Saint-Louis Télévision, et l'ambassadeur d'Israël à Dakar. J'ai escamoté le mot apparemment. Shalom Aleykoum, c'est comme ça qu'on dit. Salam Aleykoum. C'est très, vous savez, c'est très. Je crois que vous êtes familière avec cette phrase. Pour démarrer, nous aimerions avoir un autoportrait que vous allez vous-même dresser pour nos téléspectateurs. Bonjour et merci de me voir ici à votre émission, à votre programme. Et je suis ici l'ambassadeur d'Israël et représentant l'État d'Israël au Sénégal. Et avant d'arriver ici, j'ai travaillé à l'ONU, New York, et surtout dans le domaine du développement durable. Et de développement comme un véhicule pour promouvoir la paix et la compréhension entre les pays au monde. Et c'était très, très intéressant et très enrichissant. Et même, j'ai enseigné à l'Université de Tel Aviv. Et Conflict Resolution, nous avons un programme à l'Université de Tel Aviv qui s'occupe avec les conflits et comment résoudre des conflits. Et ça, j'ai enseigné une course sur les rôles de l'ONU et des organisations internationales et dans le processus de paix et de façon qu'on peut résoudre des conflits. Donc un fonctionnaire international. Oui. Le nom exact, c'est Dr. Ali Bentoura. Oui. Vous m'excusez d'avoir un peu écorché votre nom également. Docteur, par rapport à cette première phase de notre émission, pour mieux vous connaître, en tant que fonctionnaire international, vous avez une certaine idée de la géopolitique mondiale. Et oui, vous savez, nous avons maintenant, je crois que nous sommes dans un processus de transition, parce qu'au début, jusqu'à 1990, on peut dire que le monde était dichotomé. Il y avait deux centres de pouvoir, de puissance. C'était à ce temps-là l'Empire soviétique, et l'autre côté, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui nous sommes témoins à une diversification de pouvoir. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centres de pouvoir au monde. Et plus en plus, on peut voir que le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir militaire, mais le pouvoir économique, le pouvoir culturel, c'est le pouvoir de valeur qui tout le monde veut avoir. C'est un grand changement. Je ne peux pas dire que nous sommes là, mais le processus est à cette direction, je crois. Et par rapport à ce changement, on entend spécifiquement peut-être la Chine, l'Iran. La Chine et l'Iran veut être là-bas, mais elle entame, c'est exactement le point, elle entame le chemin des militaires pour avoir les bombes nucléaires. Et je dis qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'économie, la culture et les valeurs qui sont plus humaines, qui sont plus dominantes et qui attirent. Mais il y a la Chine, il y a l'Inde, le Brésil, et même l'Afrique. Et
commence à jouer un rôle et avec les sources, qui est très riche avec les sources qui existent ici à l'Afrique. Et ça va changer les relations au niveau des géopolitiques. De moins en moins, les États-Unis, désormais. Oui. Israël demeure une puissance dans sa zone géographique. Ça, c'est certain également. Et ça, de quelle façon, comme vous dites, ça sur le plan militaire, politique. Et vous voyez, pour nous, être une puissance militaire, c'est une nécessité parce que vous savez que pendant plusieurs années, les pays qui nous entourent voudraient toujours à nous jeter à la mer. Et c'était une question de vivre ou une question de vivre ou mort. Et c'était une nécessité. Mais en même temps, Israël n'épargne pas la piste du développement économique et culturel, que c'est très très important parce que ça, c'est l'essence du développement. Revenons un tout petit peu à l'Iran. L'Irak est plus ou moins écarté avec son dernier conflit avec les Occidentaux, mais l'Iran, mine de rien, fait peur. Vous voyez, l'Iran, comme je dis, l'Iran veut devenir une puissance régionale ou peut-être mondiale. Mais il le fait d'une façon qui n'est pas une façon acceptable. Comme je dis aujourd'hui, la puissance dans l'économie et la culture que nous développons. Ils ont entamé dans un chemin qui est dans le chemin militaire. Ça veut dire qu'ils voudraient avoir, posséder les capacités nucléaires. Et ça, pour avoir la possibilité de menacer le pays qui l'entoure et d'avoir cette puissance, d'exercer leur influence et leur dominance avec les menaces nucléaires. C'est une autre façon de penser. Et dans cette redistribution des cartes sur le plan géopolitique mondial, et quelle place donnez-vous à ce qu'on a appelé ou à ce qu'on appelle jusqu'ici le printemps arabe? Le printemps arabe, c'est un processus très intéressant, je dois dire, parce que pour la première fois, on voit que les peuples, en général, et on a le voix. Parce que jusqu'à il y a 3 ans, qu'il a commencé à la Tunisie, on peut dire que ça a commencé à la Tunisie, n'est-ce pas? Et la plupart des pays arabes n'avaient pas la démocratie, ils n'ont pas, le peuple là-bas ne peut avoir les possibilités d'exiger les sortes de pouvoirs qu'ils voudraient avoir. Aujourd'hui, nous sommes dans ce processus, nous avons vu les élections à l'Égypte, et nous avons vu ce qui se passe à la Libye, Peut-être on peut attendre que ça va développer dans une bonne direction. Mais par moment, en saluant le printemps arabe, les Occidentaux et Israël également ont en même temps peur de ces révolutions parce qu'ils voient que souvent, quand le processus est beaucoup plus démocratique, ceux qui sont considérés comme des islamistes parviennent à prendre le pouvoir. Vous savez, les islamistes, les groupes islamistes dans ce pays étaient les plus organisés. Alors quand le pouvoir a chuté, ils étaient les premiers d'exploiter leur organisation pour promouvoir leur position dans la vie politique dans certains pays. Soit ça l'Égypte, soit ça la Libye, ou comme ça. Alors, ça, il y a un danger. Mais ça s'est passé la même chose avec les Palestiniens, vous savez.
après les élections là-bas, quand c'était la première fois les élections, le Hamas, et qui était plus organisé d'une façon. Parce que la religion de la frère musulman et tout ça est plus organisée. Alors, de cette façon-là, ils ont profité de cette organisation pour promouvoir des bouts politiques. C'est une bonne guerre. C'est pas négatif, mais ça peut avoir des négatives conséquences si, après qu'ils ont, s'ils arrivent au pouvoir, ils utilisent le pouvoir pour diminuer la liberté et le processus démocratique qui a déjà commencé. Ça, c'est le danger. Oui, ça, c'est le danger. Mais étant donné que c'est le peuple lui-même, ce sont les différents peuples de ces pays qui élisent ces groupes considérés comme des islamistes à la tête de leur pouvoir. Donc, il faudrait respecter la démocratie ou l'expression de ces peuples. Bien sûr, c'est une grande question. Parce que vous savez, même le nazisme à l'Allemagne, en 1936, est arrivé au pouvoir par un processus démocratique. Mais vous savez, le reste, c'est l'histoire. Ça veut dire, la démocratie, vous devez être assez rigoureux pour promouvoir la démocratie. Mais toujours, c'est une balance très, très délicate qu'on doit garder. Ça veut dire, vous devez donner l'opportunité à tout le monde à contester et à briguer le pouvoir. Mais vous devez faire des mécanismes, avoir des mécanismes qui vont assurer que ce qui va arriver au pouvoir ne va pas exploiter le pouvoir pour diminuer la démocratie à la fin. Voulez-vous dire qu'il y a pour des peuples, qu'il serait mieux pour certains peuples de choisir la dictature en lieu et place de la démocratie? C'est une question de valeur. Vous voyez, c'est une question de valeur. Et je crois que la démocratie, c'est le meilleur. C'est pas le meilleur, mais entre toutes les possibilités, c'est le moins pire possibilité. Pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde, sans exception. Oui, parce que je pense que l'esprit de l'homme est au fond est libre. Et l'esprit de l'homme, est, si vous voulez, suffoquer. C'est vous n'arrivez pas à bonne chose. Vous pouvez voir dans l'histoire, toutes les dictatures qui étaient en l'histoire, à la fin, étaient détruites, à la fin, quelque chose de terrible est arrivé, parce que le dictateur ne veut pas, normalement, ce qui s'arrive, c'est que le dictateur travaille pour son bénéfice, et pas pour la bonheur de l'intérêt de grande population. Docteur Eli Bentoura, toujours dans le domaine de la géopolitique, ce qui ne varie guère, ce sont les rapports heurtés entre Israël et Palestine. Il y a lieu d'avoir un espoir quelconque? Bien sûr, bien sûr. Nous devons avoir des espoirs. Vous voyez, nous avons entamé avec l'accord de Oslo. Et il y a de temps en temps des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais vous savez, pour arriver à une conclusion, à une paix durable entre les Israéliens et les Palestiniens, on devait faire le compromis. Et je crois que les Israéliens ont arrivé à un point qu'ils sont prêts de faire compromis. Ils sont prêts. C'est un compromis très, très douloureux. Vous devez comprendre que la Cisjordanie, c'est-à-dire le territoire, le terrain dont nous l'appelons Judée et Samaria, c'est le terrain où le judaïsme était né. C'est le terrain où notre patrimoine était là-bas. Et même des points de vue des points de vue de la sécurité, la Cisjordanie, c'est une enclave dedans l'État d'Israël, que si vous le contrôlez, vous pouvez dominer tout l'espace aérien et terrestriel
de l'État d'Israël. Et nous sommes prêts de faire cette concession. Je ne vois pas les mêmes choses à l'autre camp. Côté palestinien. Ouais. Pourtant, avec l'arrivée de Obama, il y avait quelques espoirs, surtout par rapport à la condition des Palestiniens, à la création réellement d'un État de Palestine. Mais apparemment, le président américain n'est pas à la hauteur. Et oui, vous savez que même nous avons dit qu'Israël ne s'oppose pas à une création d'un État palestinien. Et c'est un grand, grand changement, vous savez, parce que jusqu'à 1994, on peut dire, c'était presque un tabou de parler de création d'un État palestinien. Alors nous avons fait une grande, grande avance par rapport à ce sujet. Et quand le président Obama a obtenu le pouvoir, et tout le monde a pensé que nous allons avoir une grande avance par rapport à cette résolution de conflit. Mais ce que je dis, je pense que l'autre côté, c'est-à-dire les Palestiniens, ne sont pas prêts. Et ne sont pas prêts parce qu'ils sont divisés entre le Hamas à l'un côté et le PLO à l'autre côté. Le PLO à la Cisjordanie, le Hamas à Gaza, à la bande de Gaza. Et ils ne sont pas prêts parce que pour avoir la paix, vous devez être courageux. Parce que pour avoir la paix, vous devez renoncer à plusieurs choses. Mais pourquoi ne pas les laisser entre eux s'ils ont chaque pays, au sein de chaque pays, il y a des différends. Fatah, Hamas, ce n'est pas un prétexte pour dire qu'ils ne méritent pas d'avoir un État. Et non, il mérite d'État. Et c'est un grand changement de concept. Je dis que nous sommes prêts d'avoir un État palestinien qui vit en paix à côté d'Israël. Et Israël ne s'oppose pas à une création d'État palestinien. La question, ce n'est pas si un État palestinien va établir ou pas. Le point de vue est pour créer un État palestinien. L'autre côté doit prendre des décisions. Et ces décisions sont douloureuses, vous savez. C'est comme la décision qu'Israël a prise, qu'il est prêt de renoncer à la Cisjordanie, même que la Cisjordanie est très, très importante du point de vue historique, symbolique et militaire. Nous sommes prêts de faire ça pour avoir la paix. Mais les Palestiniens, ils veulent avoir l'État palestinien, mais ils ne sont pas prêts de faire le compromis que ça nécessite. Ça, c'est le problème. Et en plus, ils sont divisés. Il y a le Hamas à l'un côté et le Fatah PLO à l'autre côté. Oui, toujours dans cette zone qui est explosive, hein, il y a la Syrie à côté avec ses troubles. Il y a également la Turquie qui ne s'entend pas souvent avec Israël. Il y a l'Égypte avec Mohamed Morsi qui vient d'être élu président. Le problème reste entier pour Israël. Le problème? Le problème de la sécurité, le problème de le fait de s'imposer dans la zone. Vous voyez, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous devons être très prudents quand nous faisons quand nous allons signer un accord. Et ça veut dire nous souhaitons avoir la paix, mais vous devez avoir la paix avec, vous devez faire prenez les risques calculés. Ça veut dire vous êtes prêt de faire des compromis, mais ça doit être un compromis calculé. Ça veut dire que si quelque chose va arriver dans un pays qui vous entoure, ça ne va pas poser une grande, grande menace à votre existence. Mais vos rapports diplomatiques, sur le plan diplomatique, des fois, des réponses ou des ripostes disproportionnées aux attaques des Palestiniens ou à une prise de position de Ankara, ça pose problème également. Et vous savez, je vous pose une question. Quand vous avez 130 missiles sur votre tête et à la fin vous décidez à réagir, et vous envoyez un avion pour qu'il va terminer cette pleuvométrie des missiles.
Est-ce que c'est pas est-ce que ça c'est une réaction pas toujours, normale toujours, ou quoi? Toujours l'argument c'est que Israël a le droit de se défendre. Mais l'histoire de la flottille, l'histoire de familles palestiniennes sans armes, presque que de petites pierres entre leurs mains, bombardées, l'image passe mal. L'image passe mal, mais vous savez, Israël s'est retiré de la bande de Gaza. Et l'ancien premier ministre Sharon a décidé de retirer de la bande de Gaza. Il pouvait avoir la vie de paix. Israël et les Européens ont établi sur la frontière de plusieurs usines pour que les Palestiniens qui vivent à la bande de Gaza pouvaient travailler là-bas, améliorer leur vie et développer l'économie. Au lieu de faire ça, ils commençaient à attaquer avec des missiles, des mille de missiles. C'est mille, c'est pas une missile, c'est mille. Vous devez comprendre qu'est-ce que pensez, imaginez comment c'est. Et comment une personne qui habite là-bas, au Ashkelon, Kiryat Gat, dans la ville... Des terres colonisées. Des terres colonisées. Non. Kiryat Gat, Kiryat Gat, Ashkelon, c'est Israël per se, ce n'est pas les terres colonisées. La bande de Gaza, nous sommes retirés de la bande de Gaza. OK? Ça a donné une grande chance pour les Palestiniens à développer cette région. On y est, le Hamas qui a coupé par force la bande de Gaza, n'oublie pas, je vous rappelle que le Hamas a pris par force le pouvoir là-bas, il a jeté de la fenêtre tous les activistes de Fatah qui étaient là-bas. Vous vous souvenez de cette image que vous... Et commencer à attaquer de cette de Gaza, les villes en Israël, Kiryat Gat, Ashkelon, toutes les autres villes en Israël, propre, Israël propre. Après des mille de cette missile qui arrivait, qui sont tombés sur la tête des Israéliens, Israël a réagi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre remédie pour mettre fin à cette attaque de missiles? Je ne pense qu'il y a un autre remédie. Il n'y a que l'usage de la force pour Israël. Ce n'est pas de la force, mais vous devez faire tout ce qui est dans votre capacité de terminer cette attaque. Mm-hmm. Aujourd'hui, quelle Palestine, quel Israël, vu du Sénégal, pour vous, quelle Palestine, quel Israël, pour un monde beaucoup plus apaisé? Oui, j'attends deux pays, Israël et Palestine, qui sont des pays pacifiques, qui vivent l'un à côté de l'autre comme des bons amis. Et parce que vous voyez, il y a même des échanges culturels, économiques et d'autres échanges entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça, personne n'est pas au courant. Ils sont seulement au courant de conflits militaires. Mm-hmm. Mais même il y a d'autres dimensions qui existent entre les Israéliens et les Palestiniens. Et j'espère que cette dimension-là se va retirer. Mm-hmm. Oui. Et toujours par rapport à Israël, il y a l'arrivée de Mohamed Morsi. Vous l'accueillez comment? Et nous sommes nous pouvons dire que nous soutenons le processus démocratique que l'Égypte a eu et espérons qu'il va soutenir et continuer avec l'accord qui était signé entre Israël et l'Égypte. Parce que cet accord de paix entre les deux pays serve les deux peuples. Il n'a pas le droit de vouloir l'améliorer? Améliorer? Pour les intérêts des Égyptiens? Je serais très content s'il va décider d'améliorer quoi? Améliorer l'accord de paix? Ou... Oui, les termes de cet accord. De quelle façon?
Disons de quelle façon? Autour d'une table avec Israël, essayer de trouver des compromis qui... Mais il y a un accord de paix entre Israël et l'Égypte. Maintenant, c'est seulement de donner les contents de matérialiser cet accord. Cet accord parle d'échanges économiques, échanges culturels. Il y a des vols entre Tel Aviv et Caire. Aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est seulement agrandir et approfondir les relations entre les deux pays. Et j'espère qu'il va adhérer à l'accord. Et ça va servir les deux pays. Apparemment, il va prendre Mohamed El Baradei, un indépendant, comme premier ministre. Cela vous rassure? Et il va faire ce qu'il pense le mieux pour l'Égypte, je crois, n'est-ce pas? Il a également annoncé qu'il va respecter les traités internationaux ratifiés par l'Égypte. Et ça, je le reçois avec grande satisfaction. Mais l'arrivée de Mohamed El Baradei, l'arrivée de Mohamed Morsi à la tête d'Égypte a inquiété quand même quelques Occidentaux, mais ils ont tenu à saluer le processus démocratique qui a favorisé son élection. Israël a fait autant? Oui, le gouvernement israélien a salué le processus démocratique qui a eu lieu à l'Égypte. Et même, en même temps, nous avons exprimé notre attente que même le nouvel gouvernement va adhérer à l'accord du paix qui existe entre Israël et l'Égypte. Parce que comme j'ai déjà dit, ça va servir les intérêts de deux peuples. Et même, et ça contribue beaucoup à la stabilisation politique au Moyen-Orient. Merci, vous suivez Question de confiance sur Saint-Louis Télévision, Question de confiance qui reçoit l'ambassadeur d'Israël à Dakar, Dr Eli Ben Toura. Dr Eli Ben Toura, l'antisémitisme apparemment n'est plus d'actualité. Les Juifs se portent mieux dans le monde actuel. Malheureusement, je ne peux pas dire que l'antisémitisme c'est dernier news, comme je ne peux dire que le racisme ce n'est pas dernier news. Et parce que vous savez, toute haine, et le racisme ou l'antisémitisme, et la route, la source, c'est l'ignorance. La source, ce que les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas l'autre partie. Et ça c'est la raison pour laquelle on doit avoir des dialogues, et avoir des échanges de vie, et avoir des rapprochements dans différents domaines pour que tout le monde comprenne l'autre partie. Et j'espère qu'avec l'aide du média, on peut dire, et ça va arriver, mais c'est pas toujours. Mais un peuple comme celui-là, juif, persécuté dans le passé, tout ce qu'il a eu à subir, les Africains comprennent mal leurs frères d'Israël expulsés d'une certaine manière. L'image également passe mal, encore une fois, pour Israël. Et ça que je m'étonne toujours, parce que je dis que les Africains, les Israéliens, et on a beaucoup de choses ensemble. Nous avons expérimenté l'esclavage. C'est une chose qui est commune entre les Israéliens et les Africains. Nous sommes même les victimes pendant beaucoup de temps à une perception pas réelle qui a attiré d'un traitement très mauvais de l'autre côté et même de la colonisation. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi et les Africains ne peuvent pas lier
et pas tout le monde, mais il y a quelques peuples liés et ne comprennent pas. Parce que le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est un conflit politique. C'est un conflit politique et par rapport aux territoires, certains territoires. Mais là, je parle spécifiquement de ces Africains d'Israël qui sont en train d'être expulsés de votre pays. Excusez-moi, ils ne sont pas expulsés. Et ils sont répatriés. Et parce que tout le monde qui sont répatriés, ils font ça. Et après, et qu'ils ont donné leur accord et c'était réglé avec les pays accueillants. Et je voudrais rappeler qu'Israël adore et la convention de la réfugiée, de réfugiés, et parce que vous savez, nous étions même des réfugiés, et pour nous, c'est une chose très très délicate. Et nous étions une des premières pays à ratifier cette convention internationale de la protection des réfugiés. Alors, chacun qui est en Israël comme de statut réfugié, il reçoit tous les services sociaux qui existent en Israël. Malheureusement, la plupart qui disent qu'ils sont réfugiés, ils ne sont pas réfugiés, ils sont des immigrants illégaux qui cherchent du travail pour améliorer leur vie. Okay? Alors, avant que vous répatriez quelqu'un, vous vérifiez la condition, ça veut dire vous vérifiez est-ce qu'il est réfugié. S'il est réfugié, il reste en Israël et reçoit tous les traitements que chaque citoyen israélien reçoit, c'est-à-dire des points de vue médical et des points de vue d'éducation, et il peut avoir des permis de travail. Mais s'il n'est pas réfugié, c'est comme la loi internationale, vous savez, si vous entrez à un pays, vous devez avoir permis à entrer à ce pays. Vous avez le visa, il y a des règles Des règles qui sont établies. International. Un argumentaire qui peut convaincre des chefs d'État comme Alassane Ouattara, qui a demandé à ses compatriotes vivant chez vous d'accepter les conditions de leur rapatriement. Mais par rapport au grand peuple, par rapport aux Africains, comment faire pour convaincre ces Africains que Israël est réellement une terre d'accueil? Comme j'ai déjà dit, les Africains qui sont en Israël, la plupart, quand ils arrivent, ils disent qu'ils sont réfugiés. Alors, la première chose, c'est vérifier leur statut. Et ça nous travaillons avec les UNHCR, l'organisation qui s'occupe avec les réfugiés. Oui, ça vous l'avez expliqué. Donc, oui. En clair, la terre d'Israël n'est pas promise à tout le monde. La terre d'Israël, c'est la terre promise aux Israéliens. Mais chaque pays au monde, même le Sénégal, tu ne peux pas entrer au Sénégal, même moi, comme un diplomate, quand je suis arrivé au Sénégal, on m'a demandé d'avoir une visa pour entrer au Sénégal. Les Juifs de teint noir, ils se portent bien en Israël? Les Juifs noirs. Oui. Les Juifs noirs étaient accueillis en Israël, mais je peux dire qu'il y a des problèmes, c'est sûr. C'est sûr. Comme moi, quand mes parents sont arrivés en Israël, ils n'étaient pas, arrivés de l'Occident. Ils arrivaient parce qu'ils sont arrivés du Nord d'Afrique. Mais ça, c'est du racisme, non? Non, c'était des stéréotypes, Un noir ne peut pas être un bon juif. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez des stéréotypes dans votre tête, comme je dis toujours, qu'il y a une typologie de personnes, soit c'est juif. Mais il y a des faits qui sont têtus. Des noirs juifs d'Éthiopie ou d'autres contrées ont du mal à vivre et à être heureux en Israël. Vous savez, il y a une semaine qu'une Éthiopie était nommée comme ambassadeur à l'Éthiopie. Vous êtes au courant de ça? Mm-hmm.
Et comme je dis moi-même, mes parents sont venus pas de l'Europe, ils sont venus du nord d'Afrique. Alors je peux dire, ok, ils étaient discriminés. Les personnes en général, je peux dire, et je ne le cache pas, même dans Israël, il y a des ethnies, c'est multiculturel, c'est multiculturel, c'est une société multiculturelle, c'est mosaïque. Alors il y a des perceptions d'une ethnie sur l'autre. Et ça amène de différentes choses. Ça amène de différents problèmes. Les Juifs qui sont arrivés de l'Afrique, les Juifs noirs, sont venus en Israël par le soutien d'Israël, le gouvernement israélien, par le soutien du peuple israélien. Mais en même temps, je ne cache pas qu'il y a des problèmes parce qu'il y a des différents concepts sur différentes ethnies. Mais je pense que ça, pendant le temps, comme le temps va passer, ces choses-là vont disparaître. Vous savez, en Israël, il y a plus de 140 groupes ethniques qui arrivent de la Russie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique Nord, Amérique Sud, Latino. Vous voyez tout. Alors, vous pouvez imaginer que dans cette melting pot, et il y a des concepts, des stéréotypes. Chacun pose « Ah, ils sont comme ça, ah, ils sont comme ça. » Et je donne moi-même mon exemple moi-même. Parce que mes parents ne sont pas occidentaux, ils ne sont pas venus de l'Europe. D'accord, mais bon, stéréotypé, oui, d'une certaine manière. Mais il y a deux grands groupes, les blancs et les noirs. Non, ce n'est pas un grand groupe. Je pense que les Juifs noirs qui sont en Israël, c'est quelque chose comme 60 000. C'est quelque chose comme 60 000. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir accueilli sur ce plateau de Saint-Louis Télévision. Vous êtes au Sénégal depuis quand? Et depuis 1er août. Ça fait presque un an. Pas encore de mot Wolof. Et oui, Diarène Diouf. Et Ngaï Diouf. Et le peuple sénégalais, un peuple musulman, africain et Israël, les rapports? Vous savez, nous ne sommes pas très loin l'un de l'autre. J'espère que vous avez déjà compris ça, parce que du point de vue des religions, nous avons le même père et les valeurs sont presque les mêmes. Même je pourrais dire que les pratiques sont presque les mêmes. Et nous avons des expériences collectives qui sont très, très similaires. Et je trouve, en général, même les Sénégalais, ils sont un peuple très ouvert, très accueillant. Et la taranga, que tout le monde les connaît, alors ça vraiment fait mon séjour ici plus facile. Et je trouve que les rapports entre le peuple sénégalais, le peuple israélien, et même les gouvernements, au niveau des gouvernements, entre les deux gouvernements, est excellent et j'espère que ça va même profondir. En Afrique de l'Ouest, vous êtes présent à Dakar. Vous avez également des consulats à Nouakchott, à Abidjan. À Abidjan, nous avons une ambassade, mais je couvre ici, de Dakar, je couvre la Gambie, et Guinée-Bissau, Sierra Leone, le Cap-Vert. Nouakchott, il y a plus de heures entre Nouakchott et il y a Tel Aviv. Nous avons eu une ambassade là-bas, mais après c'était fermé. C'est fermé jusque-là. Oui. Et vous n'avez aucun contrôle donc sur ce qui se passe dans cette zone, avec l'ACMI notamment. Nous avons, mais c'est une autre chose. Quand vous avez une ambassade, c'est une autre chose, parce que vous êtes là-bas, vous pouvez tisser des liens avec les peuples. C'est une autre chose. Quand vous devez suivre la situation et par rapport à des autres moyens. Longtemps considéré comme le peuple élu de Dieu, aujourd'hui, par moment, vous pouvez vous considérer comme le peuple un tout petit peu stigmatisé. Je n'aime pas, vous savez, je n'aime pas ça. Moi, personnellement, oui, mais ça fait part de l'histoire. Ça, c'est mentionné dans les Bibles, quoi. Mais vous savez que nous sommes tous le peuple de Dieu. Ça, c'est le diplomate qui s'exprime. En tout cas, merci. Merci encore une fois, Elie Bentoura. Merci à vous.
Ok, comment on dit au revoir en hébreu encore? Les trottes, chers téléspectateurs, à la prochaine donc pour un autre numéro de questions de confiance.